que les cartes d'électeurs que Ziguinchor attend, que ces cartes-là soient disponibles aujourd'hui avant minuit, parce que nous, par A ou par B, nous allons voter. Par A ou par B, nous allons voter. Moi, j'ai mon récépissé de dépôt, je vais me présenter au bureau de vote, j'ai mon nom sur la liste de ceux qui doivent voter au niveau de ce bureau-là, et moi, de toutes les façons, je vais voter. Que l'administration prenne ses responsabilités, nous prendrons nos responsabilités. Voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez le témoignage, lui-même, ce que je viens de vous dire, je suis venu avec la personne concernée, elle est là. Si vous voulez, elle peut elle-même, en tout cas, vous avez les preuves, elles sont là. Voici sa nouvelle carte d'identité. Elle a récupéré sa nouvelle carte d'électeur, pardon. Elle a récupéré sans remettre l'ancienne carte et sans même déposer son récépissé au niveau de la commission. Donc la carte a été distribuée en dehors de la commission de distribution réglementaire qui est logée à la préfecture de Ziguinchor. Et ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. Il y a un jeune aussi qui a été pris aujourd'hui en flagrant délit en MA2 et qui présentement est au niveau de la police de Yamato. Il a été interpellé pour les mêmes faits. Parce qu'il se livrait à des distributions de cartes. Ils entrent dans les quartiers, ils choisissent les responsables d'un obokéyabé et leurs militants et ils leur donnent leurs cartes. Et pendant ce temps, nous courons après nos cartes. Et moi, je viens. C'est de la préfecture que mon coordinateur m'a appelé pour me dire viens, on va tenir un point de presse. De la préfecture. Et parce qu'à la préfecture aussi, ils s'amusent avec les gens. Quand les gens viennent ce matin, ils leur disent venez à 17h. À 17h, quand les gens ils disent à 22h. Des cartes qui n'ont pas quitté Dakar, qui donnent rendez-vous aux gens à 22h, sachant qu'à minuit déjà, c'est la clôture. Les gens sont encore à la préfecture. Oui.